Bonjour, chers collègues, bonjour, chers abonnés, bonjour, cellules pédagogiques. Cette vidéo porte sur l'activité géométrique en CI, en classe de CI, le premier niveau de la première étape. Ici, vous avez les formes de lignes, la ligne ouverte, vous avez quelques exemples, la ligne fermée. Après ça, vous avez les formes de lignes intérieures, extérieures. Donc, à l'intérieur de la ligne, à l'extérieur de la ligne, vous avez le quadrillage. Le quadrillage, vous avez les lignes et les colonnes. Donc, vous devez apprendre aux gosses qu'est-ce qu'une colonne, qu'est-ce qu'une ligne dans un tableau. Après ça, vous avez les formes de lignes, la frontière. Donc la frontière, il y a intérieur, extérieur. Et sur la ligne, c'est-à-dire sur le périmètre, c'est la frontière. Après ça, vous avez le parcours. Le parcours, point de départ et point d'arrivée. Et voilà, le parcours, c'est la distance sur laquelle on passe. Voilà, le chemin où l'on passe pour aller du point de départ vers le point d'arrivée. Après ça, vous avez la case dans un tableau. Il y a des cases, il y a des points. Les points là constituent les nœuds. Les nœuds, Et après ça, vous avez itinéraire. L'itinéraire. Donc c'était tout pour cet affichage-là. Et si vous avez besoin de affichages pédagogiques, nous allons vous donner en bas de la vidéo les contacts. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne.